CEST, un événement qui est très attendu par les Britanniques. En septembre 2022, CEST, le décès d'Elizabeth II qui a été annoncé dans un communiqué. Le palais de Buckingham Palace avait alors indiqué que la souveraine s'est éteinte paisiblement à Balmoral après 70 ans de règne. CEST, son fils, le roi Charles III, qui lui succède, et sa cérémonie de couronnement va se dérouler le 6 mai 2023. Tout comme son époux, Camilla Parker Bowes sera ainsi officiellement couronnée reine en l'abbaye de Westminster. Pour cette occasion très spéciale, elle souhaiterait être entourée de ses 5 petits-enfants biologiques. Ainsi, comme l'a révélé The Mirror ce dimanche 12 mars, Camilla Parker Bowes a mis en place un stratagème qui devrait lui permettre de réaliser son souhait. Pour cela, il est indiqué qu'elle aimerait que ses petits-enfants portent le dais, une sorte d'étoffe, qui sera placée au-dessus d'elle durant la cérémonie. Toutefois, Archie et Lily Ben ne devraient pas être présents puisque, en raison de leur âge, ils n'ont pas été conviés. Si le palais de Buckingham n'a pas souhaité commenter, il a été indiqué qu'il sera tout à fait approprié de discuter du rôle des petits-enfants de la reine mais pas de ceux du roi Charles III. Les Sussex vont-ils faire le déplacement ? En janvier 2020, le prince Harry et Meghan Markle ont annoncé leur intention de quitter la famille royale. Depuis, CEST en Californie, plus précisément à Monte Quito, qu'ils vivent, loin de la médiatisation. Un quotidien qui semble parfaitement leur convenir et dans lequel ils sont très épanouis. À quelques semaines seulement du couronnement de Charles III, une question subsiste. Vont-ils y assister? Il y a quelques jours, The Sun a révélé que les Sussex avaient été invités. En effet, Buckingham Palace leur aurait envoyé un email qui contenait une version numérique du faire-part. Un porte-parole des Sussex a confirmé que Harry avait récemment reçu un courrier électronique en provenance du bureau de Sa Majesté, au sujet du couronnement, avait affirmé le tabloïd. Le prince Harry et Meghan Markle vont-ils répondre favorablement? Comme le précise The Mirror, leur présence dérange certains Windsor. Beaucoup de membres de la famille royale ne veulent plus avoir affaire à eux. S'ils doivent les voir au couronnement, qu'il en soit ainsi, mais ils ne veulent pas avoir de relations sociales avec eux, a indiqué une source proche. Couronnement de Charles III, pourquoi Archie et Lily Ben ne sont-ils pas invités? Le couronnement de Charles III approche à grands pas et la présence des Sussex fait beaucoup parler. Vont-ils faire le déplacement pour cette occasion spéciale? Dans une récente interview, le prince Harry a expliqué qu'il souhaitait se réconcilier avec sa famille. À condition qu'elle lui présente des excuses. Si les Sussex peuvent assister au couronnement, ce ne sera pas le cas d'Archie et Lily Ben. Âgés respectivement de 3 et 1 an, les deux enfants sont beaucoup trop jeunes et ils n'ont donc pas été conviés. Le roi Charles III pourra ainsi compter sur la présence de ses autres petits-enfants, tout comme Camilla Parker Bowles.